Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons de tout notre cœur pour l'immensité de ton amour et pour la joie que tu mets au tréfonds de nos cœurs et de nos âmes en ce moment particulier où tu t'offres à ton Père en nous offrant avec toi. Merci Seigneur pour l'unique sacrifice qui nous a valu le salut et qui nous a ouvert les portes du ciel. Merci pour ta grâce qui traverse l'humanité, ton amour qui traverse l'humanité, ta miséricorde qui traverse l'humanité et attend des cœurs réceptifs. Merci Seigneur parce que tu susciteras ces cœurs nombreux à cet instant précis pour que jaillisse au tréfonds des âmes une joie qui vient de toi, celle-là que tu communiques à ceux qui attendent tout de toi, à ceux qui t'aiment. Nous te remercions, Seigneur, en ce temps particulier, pour tout ce que tu nous as donné de comprendre de la vie, du sens de notre vie. Et nous te supplions que dans ta divine miséricorde, tu viennes nous arracher de tout ce qui nous empêche d'être tout à toi, pour être entièrement abandonnés comme des enfants dans tes bras paternels. Seigneur, que ta miséricorde coule aujourd'hui d'une manière spéciale sur notre frère Raphaël Ganziti et sa sœur Stéphanie en ce jour de leur anniversaire. Nous te supplions humblement, Seigneur, bénis-les, garde leur famille dans ta paix et surtout soutiens-les dans les combats de la vie et porte-les dans tous les sens de leur existence et en ce moment plus particulier au niveau professionnel. Seigneur, nous avons confiance en toi. Bénis les familles, bénis tous nos paroissiens et que ta miséricorde tombe sur nous. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô essence jaillie du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui Seigneur, nous avons pleinement confiance en toi et nous te remercions infiniment de tout cœur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton Esprit Saint que tu nous donnes et merci pour cet Esprit qui embrasera nos cœurs dans les jours qui viennent. Merci Seigneur pour ce que cet Esprit renouvellera la face de l'humanité, renouvellera la face de l'Église. Seigneur, sois béni éternellement. Frères et sœurs, que notre Seigneur nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. À tout de suite, frères et sœurs, pour la prière, pour la petite causerie sur la Passion. Nous voulons rendre grâce au Seigneur, encore une fois, pour tout ce qu'il fait dans la vie de notre frère Raphaël. Et nous lui souhaitons de tout cœur un vibrant, joyeux anniversaire. Et avec sa sœur Stéphanie, que Dieu, puisqu'ils sont jumeaux, que le Seigneur vous accorde la plénitude de sa grâce et qu'il vous inonde de toutes les joies possibles, inimaginables, dans les cieux, et que vous soyez heureux, et que vos familles se portent à merveille, conformément au projet de Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs, soyez bénis, cher Raphaël et Stéphanie, et joyeux anniversaire encore. Ah.
Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Notre-Dame de la Paix, que le Seigneur vous bénisse et dispose nos cœurs en ce moment particulier où nous allons continuer la méditation des heures douloureuses de sa passion qui progressivement va le conduire au tombeau et l'amener à ressusciter avec nous. Nous avons terminé hier la septième heure qui était une heure particulièrement riche, dense, tout comme les autres, bien sûr, sauf que celle-là se prolongeait avec les mystères du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le sang qui était ainsi versé à la croix, lorsque jusqu'à la dernière goutte arrachée par la lance de Longin, ce sang a commencé à jaillir du corps de notre Seigneur au jardin de Gethsémani, et comme nous l'avons dit, une seule goutte de ce sang est capable de sauver l'humanité. Et il s'ensuit, frères et sœurs, que tout ce qui jaillit de Jésus comme sang, si cela sauve l'humanité, embrase donc la totalité, la quasi-totalité de l'humanité, non seulement aujourd'hui, mais aussi passé, présent et futur. Et comme nous l'avons dit, dans la vie, dans la divine volonté, le mystère du sang versé de notre Seigneur est pour l'humanité tout entière, y compris pour celles que nous ne verrons pas parce que nous aurons déjà quitté ce monde. Et celles que nous n'avons pas vues parce qu'elle est passée avant nous. C'est cela. Rien donc n'est individuel, rien n'est personnel dans la vie, dans la divine volonté. Tout est dans le cœur de Dieu. Et puisque tout est englobé dans le cœur de Dieu, tout est englobé pour ce qui est de la rédemption, dans la vie, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur, cela donc converge à unir toute la création et toute l'humanité à Dieu, puisque désormais, tout est en Dieu, Dieu accomplit son œuvre de manière unique et universelle, et à travers ceux qui acceptent de vivre dans sa divine volonté, il poursuit cette œuvre et ramasse, récapitule toute chose en son temps unique et éternel, dans son éternel présent, qui ne laisse personne en dehors de la grâce et de la vie divine. Aujourd'hui, nous allons commencer la huitième heure. Et cette heure qui est particulièrement marquante du fait de ce que Jésus, après ce temps particulier où son sang a été recueilli par Marie et Louisa et répandu sur l'ensemble de l'humanité, de toutes les catégories de pécheurs, sur les âmes du purgatoire, sur la très sainte mère elle-même, sur tous les saints du ciel, sur les éléments de la création, ce sang s'est répandu, Jésus va se réveiller. Il se réveille donc de ce moment où il transpire le sang. Et qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Il voit donc ses apôtres et il va rapidement, de manière très prompte, comme s'il jaillissait d'un ordre, comme s'il exécutait un ordre de son père, il va aller avec promptitude voir les apôtres et les rassembler autour de lui. Donc, il appelle les apôtres, les avertit et les rassemble autour de lui. Et Louisa, comme nous avons dit, nous dit que tout ce qui a été vécu par notre Seigneur, dans les moindres petits gestes, les moindres petits actes, les moindres petites paroles et les moindres petits regards, travaillaient pour l'humanité tout entière. C'est Jésus qui vivait nos actes, nos paroles, nos regards. Tous nos comportements étaient déjà vécus de manière divine par Jésus. Et dans la vie, dans la divine volonté, nous demandons à Jésus de nous donner cette version divine de notre vie que nous appliquons à nous pour vivre dans sa vie divine ici-bas et avec lui et en lui sauver l'humanité passée, présente et future. Donc, en fait, tout ce que Jésus a vécu au cours de son existence terrestre, manger, dormir, boire, il vivait ce que nous devrions vivre de manière divine, mais que nous vivons aujourd'hui de manière limitée, de manière cabossée, de manière fissurée par le péché et la désobéissance. Jésus les a vécus parfaitement et divinement,
Et c'est pourquoi nous pouvons récupérer cette vie-là. Et il dit donc, lorsqu'il s'est levé avec promptitude, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus réparait ainsi nos nonchalances. Il réparait nos tiédeurs. Le réveil sonne. Oh non, non, ce n'est pas l'heure de prier. Ce n'est pas encore ça, Seigneur. Tu vois bien combien je suis fatigué. Bam, on met un petit coup de tapette sur le réveil et puis on se rendort. Voyez? Oh non, Seigneur, ce n'est pas le moment. Oh, encore la messe, la cloche qui sonne. Oh, encore la messe. Oh, puis ça me barbe. Et puis ce prêtre-là. Vous voyez, il parle longtemps et puis on n'entend même pas ce qu'il dit, oh, et tout. Et puis, non, non, fais ça, je n'irai pas à la messe, je vais regarder la messe à la télé. Vous voyez? Donc, vous voyez, toutes ces tiédeurs, toutes ces nonchalances, toutes ces lourdeurs, par la promptitude de Jésus, au moment où il va vers ses apôtres, il les a réparées. Et en ce moment, Judas avance et donne un baiser à Jésus. Et Jésus ne répugne pas de l'embrasser. Et il ne le fait pas, frères et sœurs bien-aimés, à contre-cœur. Jésus embrasse Judas avec tout son amour. Et ce que notre Seigneur permet de voir à Luisa, c'est que Judas est serré contre le cœur de Jésus. Jésus serre Judas contre son cœur. Et ainsi, on a une deuxième fois dans ce que Jésus montre à Luisa, une manière particulière de Jésus de faire signe à Judas pour lui dire qu'il aime infiniment et qu'il ne faut pas qu'il aille à sa perte. On l'a vu au lavement des pieds lorsque Jésus tiendra les pieds de Judas et le serrera très fortement contre son cœur. Pour transmettre ce message d'amour à Judas pour qu'il n'aille pas là où il est malheureusement allé et de manière dramatique. Et par le baiser de Judas, Jésus va ainsi réparer toutes les trahisons et les tromperies ayant l'apparence de l'amitié et de la sainteté. Surtout celles qui proviennent des âmes consacrées. Ça, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire qu'une responsabilité particulièrement lourde est incombé à tous les ministres de l'Église. Tous les prêtres, tous les ministres de l'Église ont une responsabilité absolument cruciale. Ils devront rendre compte à Dieu pour les multiples trahisons. Le Seigneur fait grâce de manière particulière, suprême, sublime à ces âmes, leur donne la possibilité de consacrer son corps, son sang, de distribuer sa miséricorde, de manifester sa présence au cœur de l'humanité, et ce sont ces âmes qui très souvent le trahissent en premier. Et par le baiser de Judas que Jésus reçoit comme une lance dans le cœur, malgré tout l'amour qu'il lui manifeste, Jésus, par cet amour infini pour Judas, répare les trahisons de nous prêtres, de nous ministres consacrés. Alors, et par les prières, Jésus va obtenir le pardon pour n'importe quel péché qui est confessé avec contrition et avec une demande fervente de communier à la sainteté de Dieu. C'est pourquoi depuis que Jésus a reçu le baiser de Judas, il n'y a plus aucun péché qui soit impardonnable, sauf le péché contre l'Esprit Saint. Jésus, frères et sœurs, quel que soit ce que nous avons manifesté et déployé comme abomination, Jésus vient encore nous serrer contre son cœur, comme il a serré Judas malgré sa trahison. Jésus adresse la parole à Judas. Et il lui dit, mon ami, pourquoi es-tu venu ici? Et frères et sœurs, cette parole, Jésus l'a fait retentir au tréfonds de nos âmes. Jésus dit à chacun de nous, frères et sœurs bien-aimés, âme, qu'es-tu venu faire ici?
Qu'es-tu venu faire ici dans cette église? Qu'es-tu venu faire ici dans cette assemblée de prière? Qu'es-tu venu faire ici dans cette réunion d'église, de paroissiale? Qu'es-tu venu faire ici dans ce conseil pastoral? Qu'es-tu venu faire ici, ainsi de suite, ainsi de suite? Dans cette retraite, qu'es-tu venu faire ici, mon ami? Qu'es-tu, pourquoi es-tu ici? Cette parole nous est adressée à chacun de nous. Et Jésus nous dit bien plus que, amis, et nous sommes des fils et filles de Dieu. Et comme nous avons eu l'occasion de le dire, frères et sœurs, l'ami, le serviteur, ne peut pas rentrer dans les prérogatives du maître. Pour nous dire à quel point Jésus nous considère comme des semblables, il va dire, ami, il va dire à Judas, mon ami, mon ami, mon ami, pourquoi es-tu ici? Mon ami, nous nous rendons compte, lui qui sait que son sort est scellé définitivement par ce traître, lui qui sait qu'il ne pourra plus échapper à la mort du fait de cette trahison scellée. Jésus va encore appeler Judas son ami. Nous nous rendons compte. C'est pourquoi nous ne pourrons jamais jurer sur le sort de Judas. Qu'est devenu Judas? Personne ne le sait, frères et sœurs bien-aimés. Je ne pourrais pas vous le dire, mais je ne peux pas mettre la main au feu, ma tête à couper, et dire que Judas est en enfer et que Judas est définitivement perdu. Jésus ici dit, mon ami, mon ami. Jésus fait tout jusqu'à la dernière goutte, pardon, jusqu'à la dernière minute pour que Judas parvienne au salut. Qu'a-t-il fait lorsque Judas est mort? Dieu seul sait. Dieu seul sait, frères et sœurs. Dieu seul sait. C'est pourquoi on ne peut juger de rien ni de personne. Alors, à nous, à qui Jésus adresse la question, mon enfant, pourquoi es-tu ici? Luisa va répondre, Jésus, je viens pour t'aimer. Jésus, je viens pour t'aimer. À la messe, nous répondons à Jésus. Jésus, je viens pour t'aimer. Au sacrement de réconciliation, nous disons, Jésus, je viens pour t'aimer. Lorsque nous sommes dans une assemblée de prière, nous venons, nous disons, Jésus, je viens pour t'aimer. Jésus sans cesse nous adresse cette question, pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu ici? Et malheureusement, beaucoup lui répondent, je viens pour t'offenser. Ils empruntent le chemin douloureux, douloureux de la perdition. Et alors, les gardes avancent vers Jésus et lui posent la question, et Jésus lui pose la question, qui cherchez-vous? Ils répondent, Jésus de Nazareth. Jésus répond, me voici. Nous avons ce texte dans l'Évangile avec moult descriptions. Jésus se fait ainsi connaître pour ce qu'il est. Jésus dit, me voici. Cela rejoint le je suis de Jean au chapitre 8, verset 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je vous ai dit cela pour que vous sachiez que je suis. Voilà. Et cela rejoint le je suis du buisson ardent. Lorsque Dieu donne son nom à Moïse, je suis celui qui suis. En fait, quand Jésus dit me voici, cela signifie je suis Dieu. Et la preuve, c'est qu'ils vont reculer et tomber. Ils vont aller dans un mouvement de panique. Ils vont se retrouver tous par terre. Et c'est encore avec un je suis qu'ils sont relevés. Si c'est moi que vous cherchez, bon, me voici. Alors ils vont se relever et ils vont perdre de vue tout ce qui vient de se produire, le miracle extraordinaire de la débâcle de leur équilibre, de la débâcle de l'apesanteur. Ils ont complètement perdu la notion en une fraction de temps. Ils ont été amnésiques.
On dirait qu'ils ont eu un blackout total de leur mémoire. Ils ne se sont pas souvenus de ce qui vient de se passer quelques secondes avant. Alors, ils vont se ruer sur notre Seigneur et l'amener, le tirer par des cordes, l'enchaîner. Qu'est-ce que nous voyons, frères et sœurs? Nous voyons bien que Dieu est Dieu, Jésus est Dieu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, lorsqu'il se laisse faire, c'est bien librement. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Jésus se livre librement à ses bourreaux. En quelque sorte, il s'offre librement par amour pour nous. Et on a, comme on a eu l'occasion de le dire à une des causeries, cette notion théologique, surtout marquée par la réforme du XVIe siècle, de la substitution pénale, qui voulait que la colère de Dieu frappe Jésus, l'éclabousse pour que l'humanité soit sauvée, cette colère qui devait se déverser avec fracas et puissance de destruction sur tous les hommes du fait de leur péché, la théologie de la substitution pénale voudrait que Jésus soit le paratonnerre qui prenne tout sur lui, toute cette colère divine qui se décharge avec fougue et avec hargne, et même parfois dans des proportions de haine, puisqu'il déteste la création dans ces conditions, se repentant de l'avoir créée. Alors il faut une réparation, et c'est le Fils qui le répare. Voilà ce qu'on a pensé jusqu'ici, frères et sœurs, ce que beaucoup ont pensé pendant très longtemps. Jésus n'est pas là parce qu'on l'a forcé. Il n'est pas là parce qu'on lui a dit: maintenant, tu seras le paratonnerre, tu vas arrêter la foudre de ma colère qui doit se déverser sur l'humanité, il faut que tu l'attrapes pour que je puisse sauver l'humanité. Jésus s'offre librement. Il n'y a pas de plus grand amour, il dit bien, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. En fait, il donne sa vie par amour. Ce n'est pas pour compenser la justice de Dieu ou pour empêcher cette justice de se déferler sur l'humanité de manière chaotique et destructrice. C'est une offrande d'amour libre, portée par un amour infini pour l'humanité. On voit donc que lorsque Jésus se rend aux gardes, c'est bien parce qu'il veut lui-même se rendre aux gardes. Il aurait pu les laisser par terre, scotché par terre, incapable de se relever. Alors, il dit encore un « je suis », il se relève, et c'est alors, frères et sœurs, qu'il se laisse prendre. Et l'on voit Jésus se laisser entraîner par ses gardes avec une patience divine. Et par cette patience, il répare les offenses qui sont faites malgré les miracles que Jésus accomplit au Père. Et par les cordes et les chaînes que Jésus supporte, il brise les chaînes de nos fautes et nous attache à la douce chaîne de l'amour. Voilà, je reprends les termes de Louisa, frères et sœurs bien-aimés. Jésus parle avec douceur à Pierre, qui veut lui faire justice. Et en parlant avec douceur, il répare les bonnes œuvres qui ne sont pas faites avec prudence, et pour ceux qui, par excès de zèle, tombent dans la faute. Pierre, porté par une bonne intention, celle de défendre son Seigneur, va tirer son couteau et trancher l'oreille de Malchus. Et Jésus va lui dire: remets ton couteau au fourreau. Et lui parlant avec douceur et patience, il reçoit pour l'humanité la grâce de la douceur et de la patience dans les situations extrêmes, lorsque nous sommes portés par l'idée de vengeance
ou d'une justice humaine fût-elle à vue en apparence légitime. Et alors, Luisa demande d'être liée dans les chaînes de Jésus. Elle le supplie de lier ses pensées. Nous voyons que tout, comme on l'a dit, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, si on peut ainsi parler dans la seule vie de notre Seigneur, travailler pour que l'humanité soit sauvée, y compris les chaînes qui entourent le cou de Jésus, c'est une manière non pas simplement symbolique, mais un acte de réparation universelle que Jésus pose pour toute l'humanité passée, présente et future, qui désormais aura besoin d'autres chaînes. Ce sont les chaînes de l'amour. Et alors, qu'est-ce qu'il faut lier? Il faut lier nos pensées à Jésus, lier nos yeux à Jésus, nos oreilles, nos langues, nos cœurs, nos affections et toute notre personne. C'est cela qui doit être attaché à Jésus en même temps que les créatures tout entières, afin qu'elles ressentent les douceurs et les chaînes amoureuses du Seigneur. Les chaînes de Jésus préparaient d'autres chaînes, les chaînes de l'amour infini de Dieu qui nous enserre, et les chaînes, c'est cet amour infini de Dieu qui enserre nos pensées, nos paroles, nos actes, nos affections, tous nos êtres, toutes nos existences, pour que Dieu soit tout en tout. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, en ce moment, se remet entre les mains de ses ennemis pour qu'ils fassent de lui ce qu'ils veulent. Il le fait pour nous permettre de savoir et de pouvoir nous remettre entre ses mains pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Jésus se remet à ses bourreaux pour que nous soyons capables de nous remettre à lui, pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Nous sommes ici au cœur même de la vie dans la divine volonté. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Et alors, une fois qu'on est en lui, on sera partout avec Jésus pour vivre toutes ses prières, toutes ses réparations, vivre ses crachats, vivre ses gifles, vivre ses chutes, et monter avec lui sur le calvaire pour l'aider à se relever. Voilà comment est-ce qu'on peut aider Jésus aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas en se flagellant, ce n'est pas en faisant des pénitences excessives avec tout ce que ça comporte comme sentiment d'orgueil qui peut porter parfois cette pratique-là. Il s'agit simplement d'aimer. La chaîne, les gifles, les crachats que nous devons vivre aujourd'hui avec Jésus, ce sont les crachats que nous recevons du fait de l'amour infini que nous portons pour lui, parce que c'est lui qui aime en nous. C'est les souffrances, les épreuves de celui qui n'a qu'un seul but, se donner et se fondre en son Seigneur. Et c'est pourquoi être avec Jésus, dit Luisa, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Alors, il vaudrait mieux que nous soyons à l'intérieur de Jésus, dans son intelligence, ses regards, son cœur, et nous ferons ainsi tout ce que Jésus fera, puisque c'est lui qui le fera en nous. Dormir avec Jésus, laissez donc ses pensées se reposer en lui, ses respirations se reposer en lui, laissez nos battements de cœur battre dans le sien. Les gouttes de son sang traverser nos propres âmes et nous donner la possibilité de partager le sang divin.
Dormir dans le cœur adorable de Jésus, frères et sœurs, voilà le sommet de la sainteté. Et nous voyons un passage dans le livre des Actes des Apôtres lorsque Paul et Silas sont arrêtés, ils sont mis en prison. Ils louaient toute la nuit et puis il y a eu un tremblement de terre, ils sont sortis. Mais on peut dire que Paul et Silas étaient éveillés. Mais un autre contexte encore plus spectaculaire, c'est l'arrestation de Pierre. Pierre qui est dans cette prison avec des gardes de partout, et puis il est en train de dormir, il ne sait pas comment les choses se passent, il croit qu'il est dans un rêve, et le voilà qui se retrouve à l'extérieur, hors de la prison. Il va frapper à la porte de frères et sœurs qui lui ouvrent et s'étonnent que ce soit Pierre. Simplement parce que l'ange du Seigneur est venu le délivrer alors qu'il dormait. C'est un signe parlant, puissant, symbole même de la vie spirituelle. La vie spirituelle, en définitive, consiste à dormir dans les bras de Dieu. Dormir dans les bras de Dieu pour qu'il opère toutes choses en nous et nous fasse traverser les escouades de garde qui nous empêchent de vivre une communion intime et profonde avec lui, pour entrer en Dieu en vérité. Voilà, frères et sœurs d'amour, voilà ce que nous pouvons balbutier au sujet de cette huitième heure que nous avons terminée aujourd'hui, pour ne pas trop traîner, et qui nous donne une seule leçon mémorable. Jésus veut une seule chose. Il nous pose la question, qu'es-tu venu faire ici, mon ami? Âme, qu'es-tu venu faire ici? Pourquoi es-tu chrétien? Pourquoi as-tu accepté de te faire baptiser? Pourquoi as-tu accepté de me suivre? Répondons-lui, frères et sœurs bien-aimés, répondons-lui, et nous connaissons la réponse. Pour t'aimer, Seigneur, et ce n'est pas simplement du bout des lèvres, être prêt à donner ma vie si tu me le demandais, par amour pour toi. Oui, Seigneur, nous t'aimons, accorde-nous cette grâce, nous t'en supplions, que nous vivions, que nous ne vivions que pour toi. Et que nous ne mourions que pour toi. Sois béni éternellement et garde-nous dans ta paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.